ECOWAS countries are facing an energy crisis that continues to undermine the economic development efforts in a region with a population of 300 million, roughly a third of Africa's total population. While in urban areas, it is estimated that 75% of households have access to electricity, in rural areas, where more than 55% of the population live, only about 8% have access. An important part of the problem are social norms that too often view the modern energy technology business as men's work and limit women's opportunities in the field by creating financial, technical, educational, and psychological barriers. Let's think again with a few examples of how women in West Africa are changing the energy game. Ivan Fai is an electrical engineer and one of the founders of Energy R. She is in charge of technical planning and the supervision of construction for the company. Je suis ingénieure et mère en même temps, mère et épouse. Nous sommes opérateurs ERIL, électrification rurale d'initiative locale. Nous opérons surtout en milieu rural pour électrifier des villages éloignés du réseau, de populations autour de 1000 habitants. Jusqu'à présent, nous avons installé 39 villages qui sont en train de fonctionner. Le premier, c'était en 2008. Et voilà, on arrive à Boulandor. Bonjour Yaya. Oui, tu vas bien? Oui. Ça va? Et ça à Boulandor? Bien. Et ça va très bien. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Et ta centrale là? Oui. Ah, c'est bien propre en tout oui, cas. C'est propre. J'espère que les panneaux le sont aussi. Oui. Pas trop de problèmes ces temps-ci? Non, non, non. Avec les nuages? Non, non, non. Ça n'a pas coupé? Non, ça n'a pas coupé. Mais très bien. Oui. Bon, on est venu voir, hein, comme d'habitude, si tout va bien. Voilà, c'est propre. C'est bien. Sinon, il y a des taches de poussière ou de fientes d'oiseaux. Voilà, c'est ça qui obstrue. Et s'il y a un écran sur les panneaux, il y a pas, ça ne capte pas bien le soleil et puis du coup, le rendement baisse. Donc, il faut être sûr que c'est tout le temps propre. C'est Yaya qui s'occupe de ça. Il habite dans le village. Il est payé pour le faire. On inspecte les deux onduleurs réseau. Donc, en fait, c'est eux qui transforment l'énergie directement à partir des panneaux pour les mettre sur la ligne. Le but, en fait, c'est de fournir assez d'énergie. Jusqu'à très récemment, les gens n'amenaient que le kit SHS. Donc, tu peux avoir que la lumière, à la rigueur, une télé, 4 heures par jour et c'est fini. Mais avec une centrale comme ça, ça ouvre d'autres perspectives. Dans les activités surtout génératrices de revenus, il faut leur donner cette chance de rester au village, de pouvoir travailler, générer et vivre, avoir les mêmes commodités qu'en ville. Mais comment vous ressentez le fait que vous êtes dans une petite minorité des hommes qui travaillent pour une femme? Bon, déjà, elle ne s'affiche pas en tant que patronne qui donne des ordres. Mais elle veille toujours à ce que tout se fasse bien. Oui. Donc elle laisse chacun faire sa tâche comme la personne doit le faire, sans pour autant intervenir tout le temps. Elle laisse une certaine liberté aux gens de pouvoir faire le travail, mais dans le sérieux et dans la rigueur. On travaille bien, dans de bonnes conditions. On ne se plaint pas, quoi. C'est elle qui m'a formé. Tous mes techniciens, je les ai formés moi-même. Tous, autant qu'ils sont. Quand je suis venu, c'est elle qui m'a un peu tout montré. Du branchement du petit panneau jusqu'au central, connaître les équipements. Le fait qu'elle est sûre d'elle, hein, ça encourage les femmes aussi de vraiment copier sur elle. Même dans d'autres villages, il y a des femmes qui s'intègrent sur cette activité. C'est un modèle parce qu'en Afrique actuellement, il y a très peu de femmes qui se battent, qui sont sur le terrain.
Parfois, elle reste avec nous sur le terrain jusqu'à des heures tardives. Elle ne se demande pas où dormir. Dès qu'elle trouve quelque part, elle fait comme tout le monde. Bon, honnêtement, si je devais prendre une femme, j'aimerais bien avoir une femme comme elle, battante. Je vais tout donner à ma petite sœur. Qu'est-ce que l'électricité a changé pour le village? Ah non, ça c'est beaucoup. Ça c'est beaucoup. D'abord la sécurité pour nos enfants. Il y a une sécurité à partir de la lumière. L'électricité facilite les élèves à apprendre leurs leçons. Jusqu'à 22 heures, les enfants ont la lumière. Ils apprennent facilement. Chacun chez lui, il a la lumière. Il y a des frigos. Ça améliore l'économie de la famille. Ça renforce les sources d'économie de la famille dans le cadre de la diversification. Parce que à part les produits des cultures, nous avons aussi la glace qu'on vend, nous avons les jus de fruits qu'on vend. Donc tout ça, ça améliore vraiment les revenus de la famille et ça augmente les sources économiques de la famille. On est Madame Faye, qui s'en fout, sa femme. Centrale, elle est là, 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 funa ko funa wabajom na po jalamu yabe njatele ya amba kajikera wabajom tu. ECREEE, the ECOW-GEN Center for Renewable Energy and Energy Efficiency, was founded in 2010. In 2015, ECREEE launched a global campaign with hashtag Stand Tall, its goal to raise awareness of the underutilized potential of women in the energy sector. The message, women and girls should be proud of their qualities and confident in their capacities, abilities, talents, and skills. Monica Madukwe is the coordinator for ECREEE's program on gender mainstreaming in energy access. The energy sector here is underdeveloped, and energy access is a real issue here. Now, the program on gender mainstreaming in energy access, ECOW-GEN, was established to ensure that women as well as men contribute to improving energy access in the region. Women's potential in the region is vastly underutilized as producers or as suppliers. And there are a number of gender-related barriers that closes the market up for women. Established in 2009, Cabeolica has constructed and now operates four wind farms which provide 25% of the country's electricity. It is a public-private partnership between the government of Cape Verde, its public utility company Electra, and private financiers. I don't know if it had something to do with my age or what I was representing. I'm not sure if it had particularly to do with women, but a lot of times going into a meeting to discuss, it would be very common for the other person to address only my male coworker or those kind of issues that I think aren't present anymore because we've been dealing with the same people for many years. I think at this point, everyone respects and accepts me in this field. But being a woman, you always have that issue, is it whether I'm a woman?
Oi, a minha nome é Maria Lúcia, tenho 28 anos de idade, a minha é maquinista na Eletro da Praia. Estudo engenharia mecânica na DSM. Chego ali, fui bem recebido para minha colega de turno que trabalha. Já trabalho junto com vários colegas, homens, mas sempre ajudando no momento que precisa. Nunca sinto nenhuma dificuldade, nenhuma diferença. Na sociedade, no mundo de hoje, mulheres, não são capazes de fazer tudo que usa tanto quanto homem. Basta não crer, então chega lá. É um desafio que não tem que estar em frente. Para morrer, esta chama nós é mais fraco, mas nunca é. Ou que não crer fazer uma coisa que não disse não fazer uma coisa, nunca faz. E nunca faz bem feito também. Nós é capaz. Então, nós esperamos tudo jovem, tudo mulheres que tem um sonho, que crê. Está luta, fica chega lá e está chega. Com certeza. É. My name is Chantal Abdul, and I'm the Managing Director and Chief Executive Officer of Mojek International and Mojek Corporate Holdings. Mojek is an indigenously owned group of companies that has quite a few subsidiaries in the power sector, in the energy space, and as well as real estate. In Nigeria, Mojek has become a household name in the power sector. The name Mojek has become very synonymous with smart meters in Nigeria. We have a facility that produces smart meters and prepaid meters and maximum demand meters and high tension and basically all metering products from distribution to the transmission end. We will do projects that have to do with either power line or anything that has to do with the building of the grid. As it relates to transmitting power. And we're being asked to get into some generation projects for the country. I've always found myself a woman surrounded by a lot of men in whatever sector I was in. Many times I would walk into a boardroom or I'd walk into a meeting room and it would be a room full of men all the time. Many times I've been told to kind of stay in my place and shouldn't I be in the kitchen somewhere or shouldn't I be in some man's house? I'm not trying to compete in a man's world. It is our world. And I happen to be a woman in there who's on a mission to help fix the problem that we have in Nigeria today, which has to do with power sector and our larger developmental effort that we need to do to bring our country into the forefront, right, of the world. I think our men in Nigeria have become accustomed to seeing women at the helm. So you see a lot of women in Nigeria who run a lot of companies. But however, in my sector, there's very few, right? You know, I think what I'm doing is obviously blazing the trail, rather. I find a lot of men in Nigeria in particular appreciate women like me. They appreciate a woman who can go out there, be independent, you know, have a life, literally. Be fulfilling her purpose or doing something interesting. So Benin has a lot of women think that you need to use your femininity, per se. No, I will say for the record, I've not had to sleep with anybody to get any projects. If that is the offer on the table, then I walk away. It's just not my deal. And I think a lot more people then begin to respect you for that, begin to take you more seriously, because you take yourself more seriously. It's always been an upward struggle, meaning I've always had two things against me. The fact that I'm a woman and the fact that I'm young. All right, gentlemen, thank you very much. And faut pas que la stratégie de l'énergie soit une stratégie de garçons, si j'ose dire, de garçons ingénieurs, où on va privilégier systématiquement les grands réseaux, les gros systèmes de production. Les femmes seront peut-être plus enclines
à privilégier les points d'énergie pour des points d'eau, à privilégier le dispensaire, la petite clinique, le centre de soins, à privilégier la petite école, à privilégier la petite agriculture vivrière. Bref, le regard de la femme africaine sur le besoin et l'utilisation de l'énergie n'est évidemment pas exactement le même que celui des hommes. Donc c'est absolument indispensable. Women's role in the energy sector is equally important as men, be it at the policy level, the program development level, or the project designing level, or even the project implementation. This is to ensure that the preferences of women are taken on board at each of these stages. In the end, the final product that comes serves the interests of both men and women. Peu de nos sœurs, j'avoue, hein, vont dans la technique. Il faut passer par la sensibilisation, par l'éducation, par la mobilisation, qu'elles comprennent que dans ce métier, hommes et femmes, nous sommes sur le même pied d'égalité. Et qu'elles puissent avoir le mot dans les prises de décision des projets que nous allons promouvoir. Si nous nous asseyons entre hommes pour promouvoir des projets qui peuvent ne pas être à la portée des femmes, puisque ça ne correspond pas à leurs besoins fondamentaux. Bleu.